Candidate de la saison 2 des traîtres du M6, l'antiquaire Caroline Margeridon avait assuré à la production qu'elle ne participerait pas à l'émission si deux conditions n'étaient pas réunies. Découvrez lesquelles. Elle va bientôt se confronter au regard inquisiteur de 17 autres personnalités. Ce mercredi 12 juillet, Caroline Margeridon se lance dans la grande aventure de la deuxième saison des traîtres sur M6. Face à Jean Lassalle, Claude Dartois, Koh-Lanta, ou encore Nathalie Marquet-Pernot et son fils Tom, l'antiquaire de 56 ans va tout faire pour prouver qu'elle est une loyale. Alors qu'elle est peut-être en réalité une traîtresse. Pour le découvrir, il faudra se brancher sur le premier épisode, auquel Caroline Margeridon a accepté de participer sous plusieurs conditions. Les traîtres, Caroline Margeridon n'aurait pas participé à l'émission de M6 si elle a été la première à être appelée par le producteur Mathieu Chalvignac, la figure de proue d'affaires conclue sur France 2 a quelque peu hésité à intégrer ce programme dont elle n'avait pas vu la première saison. Il me dit qu'on aura des micros pratiquement 24 heures sur 24 avec eux, qu'on ne pourra pas se parler en dehors du jeu, donc je lui dis que ça s'apparente à de la télé-réalité. Mais il arrive à me convaincre, explique-t-elle tout en précisant que l'une de ces deux conditions concerne justement un rapprochement avec la télé-réalité, un genre dont elle a horreur. S'il y avait des candidats de télé-réalité dans le casting, je ne ferais pas l'émission. C'était clair, assure la grande amie de Sophie d'avant. Les traîtres, Caroline Margeridon a demandé à avoir un objet normalement interdit pendant le tournage. La deuxième exigence de Caroline Margeridon concernait son lien avec ses enfants, Alexandre et Victoire, âgés de 25 et 24 ans. On n'avait pas le droit d'avoir notre téléphone portable. Dans mon contrat, j'avais inscrit que je voulais mon téléphone parce que je suis tout le temps connecté à mes deux enfants. Si jamais il y a un problème, si est toujours moi qui l'appelle. Dans le jeu, nous avions des nounous derrière nous pour pas qu'il n'y ait de triche et la mienne avait mon téléphone allumé tout le temps sur elle. Le soir, elle me le rendait, confie-t-elle. Combien de journées l'antiquaire a-t-elle dû passer loin de ses enfants? Rendez-vous sur MC tous les mercredis pour le savoir.